je grossis seulement. Partagez cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'on ne parle pas de moi. Hein? Je ne suis pas trop tranquille. Voilà, tranquillement tranquille. Quand on ne parle pas de moi sur la toile, je ne suis pas trop tranquille. Tranquillement. J'ai vu depuis que je suis arrivée à Paris, il y a des tatas qui m'écrivent. Non, Lolo Beauté, tu es trop forte. Quoi? Et tout ce qu'on a vu sur Internet là. Tu arrives en quoi à faire des vidéos, à vendre tes produits, à défier tout le monde. Je lui ai dit, sur les réseaux sociaux, je suis le terminus de tout un chacun. Une multitude d'animaux peuvent s'élever pour aboyer, prononcer le nom de Lolo Beauté. Mais lorsque Lolo Beauté arrive en France, la toile fait silence. Je me demande bien, toute cette personne qui parlait de Lolo Beauté, oui, on va fermer son commerce, oui, elle va plus avoir des papiers, oui, elle va faire ceci. Les mercontés là, où vous êtes? Je pensais qu'on allait avoir une délégation à l'aéroport, des bandes de chômeurs qui allaient venir accueillir Lolo Beauté. On ne les a pas vus. Elle ne peut pas aller à Abidjan là-bas, elle est en train de parler. Elle ne peut pas venir à Paris ici pour parler. Où vous êtes, bande d'animaux? Tranquillement, tranquille. Vous savez, je vais vous dire quelque chose sur la toile. C'est parce que Lolo Beauté voyage beaucoup. Quand elle arrive à Abidjan, elle est derrière elle. Mais je vous préviens, le samedi, je vais encore à Abidjan. Ouais. Parce qu'actuellement, les bons Français, ils sont encore en vacances. Actuellement, les bons Bengis, ils sont dans l'avion en train de partir encore en vacances. La rentrée n'a pas encore commencé. Actuellement, combien de vidéos contre Lolo Beauté? Vous n'avez pas pitié de votre vie? Vous vous levez comme cela, en train de parler de Lolo Beauté matin, midi, soir. Les pétitions que vous avez faites contre Lolo Beauté. Mais voilà, je suis en France. Pourquoi je ne vous vois pas à mon adresse? Pourquoi je n'ai pas reçu de courrier? Vous pensez tranquillement, on n'est pas même chose, tranquille. C'est bizarre, il y a d'autres qui sont en train de mettre ça sur la mort d'Arafat. Oui, comme Arafat est décédé. Ma chérie, Arafat, il est mort, on va l'enterrer. Tranquillement, tranquille. Mais Lolo Beauté, elle est encore vivante. C'est elle qui vous moigne. Je vous dis, les personnes qui veulent ressembler à Lolo Beauté, ne vous faites jamais manipuler par des êtres humains. Seul Dieu a le dernier mot sur votre vie. Les êtres humains vont s'élever. Ils vont aboyer. Ils vont dire tout ceci. Oui, elle est ceci. Vous savez, c'est des aigreurs. Ceux qui sont restés en France ici pour parler de Lolo Beauté là, ils n'ont pas eu l'argent pour payer billet d'avion. Sinon actuellement, les bons Français là, ceux qui ont franco là, ils sont en vacances. Ils ne sont pas en train de traîner dans la rue de Paris ici. Le blanc, quand on dit vacances, c'est vacances. Quand on dit rentrer, c'est rentrer. Non là, je n'aime pas qu'on ne parle pas trop de moi. Vous avez dit qu'il y a un mandat d'arrêt contre le général. Lolo Beauté est à Paris, il n'y a pas eu mandat d'arrêt. Le général est à Paris, il n'y a pas eu mandat d'arrêt. Je vais vous dire, vous savez, la plupart des personnes qui font vidéo là, c'est des chômeurs chroniques. Ils ont faim. Ils ont très faim. Donc quand ils mettent les vidéos comme cela sur la toile, oui, il y a ceci ici en France, ici il y a des mandats d'arrêt, Lolo ne peut pas rentrer en France ici. Si la France est un zoo, je vous apprends que je suis la gardienne de ce zoo-là. Tranquillement, je vous dis et je vous préviens. Il y a des amis qui m'ont appelé, les amis très... Bon, moi, je n'ai pas d'amis ici en France. Non. Je n'ai que des prêteurs de crédit. Parce que ceux qui se disent amis de Lolo Beauté, bien au contraire, c'est des personnes qui viennent frapper à ma porte. Lolo, faut nous faire crédit. Mais je vous apprends que la porte des crédits s'est fermée pour vous tous, tranquillement, tranquille. Donc, ceux qui disent que oui, Lolo, tu es mon ami, tu es mon ceci, cela, je vous apprends que la porte du crédit est fermée. Je préfère aider les personnes qui sont dans les besoins. Tranquillement, tranquille. Eh, oui, Lolo, ce que les gens sont en train de faire là, c'est pas Lolo Beauté qui est en France. Le samedi, je retourne encore à Abidjan. Je vous jure sur tout ce que je cherche. C'est quand Lolo Beauté va arriver à Abidjan là, ils vont reprendre encore les vidéos. Oui, Lolo, mais j'ai la capacité de prendre le billet d'avion quand je veux, comme je veux et comment je veux. Et puis je reviendrai. C'est bizarre, mais quand Lolo Beauté arrive en France, la toile fait silence. Mais lorsque Lolo Beauté prend son billet d'avion, il dit non, je m'en vais un peu regarder mes constructions. Je vais vous donner du travail. Je vais vous donner goumen, cauchemar. Je vous apprends. Tranquille. Elle dit finalement, c'est toi qui as raison. Oui. Je vais vous apprendre. Ici en Europe, là, il y a des personnes qui aiment beaucoup menacer. Mais je vous apprends. On te menace. Viens donner ton palabre à Lolo Beauté. Je vais fermer la gueule de certaines personnes. Il y a mèche qui rentre dans ma bouche, dans ma gueule.
Tranquillement, tranquille. Oui. Oui, toi, tu es à Abidjan, tu es en train de parler. Depuis, on t'attend à Paris. Je suis à Paris. Je suis à Paris. Les pétitions. On va faire ça contre Lolo Beauté. Où vous êtes aujourd'hui? Où vous êtes aujourd'hui? Je me demande, posez-leur la question. Mais Lolo Beauté est en France. Pourquoi la police n'est pas encore venue taper à sa porte pour qu'on l'arrête? Il n'y a pas de menottes encore. Tranquillement. Donc, pardonnez. Non, je fais cette vidéo pour dire à ceux qui sont à Abidjan ou bien en Afrique. Ton titre de séjour, il y a des personnes qui ont papier français. Ils viennent frapper à ma porte ici pour demander crédit. Donc, ce n'est pas pour dire que tu as papier que tu es forcément riche. Il y a beaucoup de personnes qui ont papier ici. Et ils ont faim. Ici en Europe, la vie est dure. Donc, quand ils voient que Lolo Beauté est en train de prospérer, ça peut les tuer. Bon, moi, je reconnais, je ne suis pas milliardaire. Je suis pauvre. Mais cette pauvrette-là, elle voyage pour aller à Abidjan construire et puis revenir. Maintenant, toi qui es riche là, que oui, Lolo Beauté est pauvre, ça a la CAF, elle fait ceci là. Toi, tu es riche là. Pourquoi quand on dit vacances, tu as collé ici? Ma chérie. Quand on dit vacances, mon frère, tu es calé si tu t'en fais gardiennage. Celui qui ne parle pas bien le français, là. Oui, oui, unko, là. Lolo Beauté est là. Je pense que tu devais être le premier à m'attendre à l'aéroport. Ou bien le premier à venir au 18 rue de Vizien, en bas de chez moi, pour dire Lolo Beauté, je suis garçon, je suis là. Mais, dommage. Et ça t'est une dommage. Que vous avez aussi peur de Lolo Beauté, tranquillement, tranquille. Mais vous me faites pitié. Au fait. Je cherche des personnes qui vont tellement insulter Lolo Beauté et je vais vous payer 500 euros par mois. Pour dire à mes fans, n'ayez pas peur. Vous avez une icône dans votre main. On appelle ça la dame de fer. Vous voyez la tour Eiffel, c'est ma jumelle. On m'appelle la dame de fer. Tranquille. Donc arrêtez s'il vous plaît de prononcer même le nom de la diva Lolo Beauté. Parce que franchement, vous avez parlé de tout, même le gorille des États-Unis, actuellement il est fatigué. Il a tellement fait il n'y a plus d'armes. Vous n'êtes pas fatigué? Maintenant l'association que Lolo Beauté est en train de mettre en place. Maintenant je viens, vous avez tout ici en France, mais vous attendez quoi pour aider vos frères? Tranquillement. Quand Lolo Beauté dit, elle a créé une association pour aider certaines personnes à régulariser les situations, ça ne veut pas dire qu'on va aider tout le monde. Tout le monde peut avoir les papiers, non. Ça dépend de ta situation. Si tu amènes d'être aidé et que tu as la possibilité de rentrer dans la régularisation de tes papiers, on va le faire. Mais tu viens d'arriver pendant un an, tu n'as pas de papiers, tu ne travailles pas, tu n'as même pas, comment on appelle ça, comme promesse d'embauche. Bon, on va t'aider comment? Vous pensez que Lolo Beauté, comme elle a dit, elle a créé une association, tous ceux qui n'ont pas papier automatiquement vont avoir papier? Non, c'est un processus. Moi, mais je ne sais même pas comment les démarches se prennent. Vous prenez contact avec mon avocate, elle vous explique, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Tranquillement, tranquille. Donc, arrêtez un peu de trop parler. Ici, en France, il y a la galère. Et quand il y a des personnes qui voient que quelqu'un est en train d'évoluer, ça les fait mal. Vous voyez toute cette crise qui s'est levée autour de Lolo Beauté, que Lolo Beauté insultait les Ivoiriens. Ce n'est pas les mêmes Ivoiriens qui viennent mettre les cœurs ici. Lolo Beauté n'a pas insulté. Peut-être que j'ai écorché, je n'ai pas bien fait la différence. C'est tout. Mais Lolo Beauté ne peut pas insulter tout un peuple. Et étant elle-même Ivoirienne, c'est qu'elle-même, elle s'insulte. Il n'y a pas femme pour Lolo Beauté. Donc voilà pourquoi créer collectif. Quand il y a des personnes qui m'ont appelé, il y a une copine, il y a une juju, comme on appelle une juju qui m'a appelé, elle dit, hé, Lolo Beauté, il y a des femmes qui disent, elles vont aller marcher contre toi. Quand ça chauffait là, elles vont aller marcher. J'ai dit, mais si elles vont marcher, je vais acheter de l'eau pour aller les donner pour boire. Mais arrêtez un peu quand même. Je pense que chers Ivoiriens, Ivoiriennes, chers peuples africains, on ferait mieux. Vous voyez comment je suis due. Toutes les vidéos qu'ils ont fait contre moi, là, ils peuvent rien. Moi, je suis votre présidente, tranquille. Je peux être votre présidente et puis mener votre combat jusqu'au bout. Parce que remarquez bien, la carrure d'une présidente, c'est celle qui ne flanchit pas. C'est celle qui ne se fait pas influencer. C'est celle qui ne marche pas sous les menaces. Regardez ma caricature. Est-ce que je ne mettais présidente? Mettez présidente. Si vous mettez présidente, je vais chafouler. Parce que j'ai la carrue et j'ai tout pour être présidente des Africaines. Parce que j'ai le courage d'affronter les obstacles tranquillement. Donc voilà, je vais être la présidente des Ivoiriennes ainsi que des Africains. Voilà,
qui sont en difficulté ici en Europe. On va mener un combat pour que chacun puisse régulariser sa situation ici en Europe. Parce que Lolo Beauté, oui, tapez Marie-France, voilà Maurice Makoso, voilà Tatiana. S'il y a plus de 20 présidentes, vous allez voir que je vais, l'ONG, je serai la présidente. J'attends à ce que, voilà, le, pardon, comment on appelle ça, l'association, je serai la présidente. Il y a tant qu'on mette présidente, 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 présidente. Oui, qui a connu, big up à toi. Voilà. Et Anno, il dit, oui, présidente. J'ai tout pour être une présidente parce que j'ai ça. C'est ça, on appelle la pointe, tranquille. C'est ça, on dit une présidente, on conduit un peuple sans avoir peur. Vous menacez Lolo Beauté. Oh, vous me faites pitié. Quelqu'un qui ne vous connaît pas, et c'est vous qui êtes en train de chauffer votre cœur pour quelqu'un même qui ne vous connaît même pas. Arrêtez un peu. Je pense que quand vous devez faire des directs, c'est comment aider vos frères. Comment sortir de la situation. Tranquille. Tu as insulté ceux qui sont paresseux et qui sont sales. Tu as trop dit la vérité. Merci, Judicaël. Tranquillement, tranquille. Elle dit Lolo Beauté où tu enlèves ton inspiration. C'est Dieu qui donne l'inspiration. C'est Dieu qui donne le courage. Tranquillement, tranquille. Il n'y a pas l'homme pour Lolo Beauté. Ici en France, là, je gouverne en maître, maître. En Côte d'Ivoire, je règne en majestueuse. Tranquillement, tranquille. Donc, voilà. Je suis la présidente. Donc, respectez-moi. Tranquillement, tranquille. Respectez-moi. Voilà. Donc, qui ne parle pas, qui veut. Regardez tous les mouvements à cause de Lolo Beauté. J'ai dit, on dit, le président Eric Sarki, Lolo Beauté, la France est en feu. J'ai dit, ok, ça n'a qu'à brûler, j'arrive. Là, Macron va savoir qu'il y a une femme qui s'appelle Makoso Louise. C'est une femme de pointe. On peut la prendre pour diriger toute une armée. Tranquillement, tranquille. Donc, calmez-vous. Je suis la présidente. C'est moi qui impose le respect. Donc, arrêtez de trop parler sur Lolo.